La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prenons la mesure de ce que nous venons de chanter. Plus que de l'air que nous respirons, plus que du pain dont nous allons nous nourrir aujourd'hui, nous avons besoin, c'est un besoin vital pour notre âme, pour notre corps, pour notre être tout entier, nous avons besoin de l'Esprit-Saint. Nous avons besoin de celui qui est l'âme de notre âme. Nous avons besoin de celui sans lequel notre humanité ne parvient pas à son achèvement. Alors au début de cette Eucharistie, là où nous sommes, demandons à cette personne qui est l'Esprit-Saint de rejoindre notre être au plus intime. Demandons-lui d'abord de purifier nos cœurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Oh,
Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père. Puisque nous croyons en Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus.
Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse dans Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. » Quel est le désir qui habite le plus profondément votre cœur?
eh bien je doute que vous y ayez accès. Je doute que ce qui traverse votre pensée, votre imagination, en ce moment, rejoigne le désir le plus profond de votre cœur. Peut-être que vous vous demandez, que la pensée que vous avez, le désir que vous avez, c'est que cette célébration termine le plus vite possible. Ça arrive, certaines fois. Peut-être que vous attendez le moment où le prêtre va dire « Amen » avec un soulagement. Peut-être que vous pensez au plat qui est en train de se préparer dans la cuisine. Peut-être que vous pensez avec inquiétude à la reprise après le confinement de vos activités. Peut-être que vous avez toutes sortes de finalités qui vous occupent et puis qui ont fait que vous vous êtes levé ce matin avec peut-être de l'enthousiasme ou de l'anxiété. Eh bien, si vous êtes à ce niveau-là, je pense que vous n'avez pas rejoint le désir le plus profond qui est inscrit dans votre cœur. Et nous le rejoignons rarement, malheureusement. Il faut être reconnaissant quand vous avez un enfant ou quelqu'un d'un peu simplet qui tout d'un coup le fait ressortir. Vous savez qu'on a toujours besoin de quelqu'un qui est comme l'apôtre Philippe, c'est mon saint patron. Philippe, c'est un peu le ravi de la crèche. Philippe, c'est un peu celui qui, dans un groupe de catéchisme ou à l'école, vous savez, c'est un peu c'est simplet, qui dit tout d'un coup quelque chose qui va faire éclater de rire tous les autres, mais en réalité qui est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus profond qu'on le croit. Philippe, c'est celui qui explose pendant la dernière scène alors que Jésus parle depuis des heures de son Père, et ça fait 3 ans qu'il en parle. Si vous lisez l'évangile de Saint Jean, c'est presque lassant, parce qu'à toutes les phrases, à tous les versets, Jésus nous parle de son Père. Et au bout d'un moment, au bout de 3 ans, Philippe explose et il dit « Écoute, ça va bien, montre-nous le Père, cela nous suffit, ça va bien. Puisque tu es venu pour manifester le Père, montre-nous le Père. » Alors peut-être que les autres ont souri, les autres apôtres, parce qu'ils sont plus intelligents. On dit d'ailleurs dans la Pâque juive, qui se vit en famille, que le père de famille s'adresse à ses 4 enfants. Et chaque enfant doit jouer, comme dans une famille, son rôle. Alors il y a le premier de classe, il y a celui qui est intelligent, qui a toujours les bonnes réflexions, c'est peut-être Saint Jean parmi les apôtres. Il y a celui qui est incrédule, c'est le rebelle, c'est sans doute Thomas. Et puis il y a celui qui est un peu simplet, c'est sans doute Philippe. Et chacun pousse Jésus dans ses retranchements. Moi, je voudrais me pencher un petit peu sur la demande qui jaillit du cœur de Philippe. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Est-ce que vous savez que votre désir le plus profond, le désir qui nous est commun, mais que nous vivons chacun d'une manière unique, le désir qui nous taraude depuis que nous avons été créés par Dieu, depuis le moment où Dieu a insufflé, a créé une âme dans le petit embryon que nous étions? Jamais l'Église, d'ailleurs, n'a tranché sur le moment où l'âme est créée directement par Dieu. Mais cette âme, elle a un désir. Elle a un désir profond, plus profond que tous les autres qui vont la recouvrir. C'est le désir de voir Dieu. Je veux voir Dieu. Pensez à Sainte Thérèse d'Avila, cette petite fille qui, à l'âge de 4 ou 5 ans, est partie sur les routes, qui est partie vers le sud de l'Espagne. Et quand on l'a rattrapée, elle a dit « Je veux voir Dieu, donc je veux mourir martyr ». Et elle voulait aller voir les morts pour vivre le martyr et voir Dieu le plus vite possible. On l'a ramenée à la maison et puis on lui a dit « Maintenant, tu manges tes nouilles, mais tu reviens à des choses plus sérieuses. » Elle n'a jamais laissé ce désir enfouir, puisqu'elle est rentrée au Carmel et toute sa vie a été une mise en perspective de cette finalité pour laquelle nous sommes faits. Le grand problème dans notre vie, vous voyez, c'est que souvent, nous ne vivons pas à la hauteur du désir qui habite notre cœur. Il faut être reconnaissant peut-être au début du XXe siècle, un grand homme, c'est Freud, d'avoir parlé du refoulement. La grande découverte de Freud, c'est qu'un désir profond dans le cœur de l'homme qui est refoulé, eh bien ce désir va se venger et il va nous faire souffrir. Parce que ce désir va nous tarauder, parce qu'il ne veut pas mourir. Le problème de Freud, c'est qu'il voyait comme désir le plus profond de l'homme l'éros et la sexualité. Il faudrait se demander qu'est-ce qui fait courir le monde, qu'est-ce qui fait courir les hommes. Les plus cyniques vont vous dire c'est l'argent, c'est la réussite. Freud va vous dire c'est le sexe, c'est l'amour, c'est le désir. Eh bien, aucune de ces personnes n'a vu la réalité.
Jésus nous révèle que nous sommes faits pour voir Dieu. Nous sommes faits pour contempler la face de Dieu. Lisez ou relisez les principes et fondements des exercices spirituels de saint Ignace. Au début d'une retraite de saint Ignace, eh bien, nous nous mettons dans la perspective fondamentale de notre cœur. Nous demandons à Dieu de nous établir dans ce lieu qui est le lieu du désir fondamental de notre être, pour nous accorder à ce désir. Et je vous relis parce que j'arrive jamais à le prendre par cœur. Principe et fondement. Vous avez compris que principe, ça veut dire le principe, c'est ce qui est au départ, le fondement, c'est ce qui est au départ. Eh bien, au départ, il y a la finalité de notre vie, ce pourquoi nous sommes faits. Si vous voulez faire marcher quelque chose, votre machine à laver, elle est faite pour nettoyer le linge et non pas pour faire de l'impression de documents. Si vous l'utilisez conformément à sa finalité, eh bien elle réalisera ce pourquoi elle est faite et elle sera heureuse, votre machine à laver, de vous donner du linge propre. Eh bien l'homme a une finalité qui a été inscrite en lui par son Créateur. Je vous laisse l'entendre. L'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu, notre Seigneur, et par là sauver son âme. Et les autres choses sont créées pour l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il a été créé. Nous avons été créés pour louer, révérer et servir Dieu. C'est-à-dire, nous avons été créés pour le contempler. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Il faut se le répéter. Répétez-vous toute la journée, je veux voir Dieu. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et vous verrez qu'à un moment, ce désir va se réveiller en vous. Ce désir va se réveiller comme un volcan. Il va faire exploser tout ce qu'il a recouvert. Il va faire exploser tous ces autres désirs superficiels qui ont fait comme un effet de refoulement sur le désir le plus fondamental. Et essayez de comprendre toutes les souffrances dans notre société autour de nous. C'est le refoulement fondamental de ce pourquoi nous sommes faits. Alors, on peut réfléchir en ce moment sur comment vivre le déconfinement. Notre gouvernement pense très fort à notre corps. Notre corps a besoin de santé, notre corps a besoin de se nourrir, alors on ouvre les magasins. Et puis, notre corps et notre âme aussi a besoin de distraction, alors on va ouvrir les librairies. On va sans doute autoriser l'ouverture des musées. Il y a une chose qu'on n'a pas compris, c'est que notre âme spirituelle a un besoin plus fondamental encore, plus vital que la vie de notre corps, c'est de voir Dieu, c'est de le louer, c'est de l'aimer, c'est d'exprimer notre amour pour lui, c'est d'anticiper sur notre terre ce que nous ferons pour l'éternité. Notre âme a besoin d'exprimer son amour et de voir Dieu. Notre âme a besoin de culte. Et ça, c'est vrai que c'est le grand refoulé de notre époque. Et c'est une violence terrible pour notre être. Mais il faut un jour avoir senti en nous s'éveiller ce désir de voir Dieu et d'entrer en communication avec lui. Nous désirons voir Dieu. Mais il faut peut-être aller un petit peu plus loin. Nous ne désirons pas seulement voir Dieu, nous désirons voir le Père. Montre-nous le Père. Ne nous montre pas simplement une idée de Dieu. Vous savez, comme quand on regarde une image, quand on regarde dans une exposition des belles statues ou des belles peintures, nous les regardons d'en bas, mais nous désirons le Père, c'est-à-dire nous désirons une relation avec Dieu. Est-ce que vous avez découvert que Dieu est un Père? Est-ce que vous avez découvert que Dieu est celui qui est en relation avec vous? Alors si vous avez découvert cela, vous avez besoin de Jésus. Qui m'a vu a vu le Père. Jésus est celui qui me met en relation avec le Père. Pour prendre une petite comparaison, peut-être que vous êtes déjà allé dans un musée et puis en fait, les peintures qui étaient autour de vous, vous étiez un peu hermétique. Vous ne compreniez pas très bien, vous aviez du mal à rentrer dedans. Alors, un bon guide est venu à votre rencontre et puis il vous a aidé petit à petit à comprendre. Et petit à petit, il vous a aidé à entrer en interaction avec cette œuvre qui a fini par vous parler. Eh bien, Jésus est ce guide qui vient à notre rencontre et qui nous permet d'accéder et de faire que ce qui peut être une image lointaine, Dieu, devient proche, il devient un Père. Il devient un Père parce que Jésus est la relation vivante au Père. Jésus est le Fils bien-aimé du Père.
Qui m'a vu a vu le Père. Qui est entré en relation avec moi est en relation vivante avec Dieu le Père, par l'Esprit Saint. Chers amis, je vous propose tout simplement aujourd'hui de réveiller votre désir de voir Dieu. Une des plus belles prières qu'on puisse faire, c'est de chanter dans notre cœur toute la journée « Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux, le voir de mes yeux de chair ». Déjà dans l'Ancien Testament, nous avons le livre de Job, vous savez, cet homme qui est sur un lit de souffrance et qui est entouré de toutes sortes de faux discours un petit peu consolants qui lui disent qu'il faut qu'il se résigne à sa souffrance. Et lui crie, il hurle. Sa vie n'est pas une espèce de raisonnement appliqué. Sa vie est un cri. Et ce cri, il jaillit à un moment. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que je le verrai de mes yeux de chair et que je me lèverai. Chers amis, il y a une bonne nouvelle, c'est que nous verrons Dieu. Toute notre vie doit être orientée non seulement par ce désir, mais en plus par cette assurance, c'est ça la foi, c'est ça la vertu de l'espérance, que nous verrons Dieu de nos yeux de chair, que Jésus est mort et ressuscité pour nous préparer une place à la droite du Père, et que cette place, elle est déjà prête. Jésus est monté au ciel et il le dit à ses apôtres, « Je suis parti vous préparer une place, et nous avons chacun notre place à la droite du Père. » Alors aujourd'hui, nous ne le voyons pas, mais nous pouvons déjà vivre de cette relation au Père. Et un jour, nous jouirons de la contemplation à la place qui est la nôtre. C'est génial de penser qu'au ciel, on a notre petite place, on a notre petit confinement personnel, notre petite relation à Dieu le Père, et qui nous a préparé une petite place bien chaude au ciel, à chacun. Alors on peut demander, ouais, moi j'aimerais bien ne pas être très loin de telle personne. En fait, j'ai vécu 30 ans avec Marie ou ma femme, si on pouvait se reconnaître un peu et se croiser de temps en temps. Vous en faites pas, tout ça, c'est très très bien arrangé. Ou alors il y en a d'autres qui peuvent dire, si telle personne est à tel endroit, si je pouvais être de l'autre côté, ce serait bien aussi. Pour cela, si vous voulez voir un peu comment ça se passe, lisez la Divine Comédie de Dante, et Dante, eh bien, voit déjà au ciel comme un amphithéâtre dans lequel chacun a sa place, un peu comme un stade de foot, et puis nous sommes tous unis à ce principe et fondement de notre vie qui est l'amour et la relation unique au Père. C'est intéressant d'ailleurs, la Divine Comédie, parce qu'on parle toujours de l'enfer, et l'enfer, eh bien, on voit toutes sortes de personnes qui luttent contre leur propre vocation. Ils sont faits pour voir Dieu, mais ils regardent autre chose, ça s'appelle une idole. Et le problème, c'est qu'ils se sont fixés dans la contemplation, dans l'adoration de quelque chose qui n'est pas ce pourquoi ils sont faits, mais ils sont fixés pour l'éternité, c'est une torture. C'est d'abord la torture de Lucifer. Lucifer est le grand contemplatif, il était fait pour voir Dieu. C'était un chérubin, c'est-à-dire qu'il devait contempler Dieu, le louer, l'adorer, et il a préféré se contempler lui-même. Il a mis à la place de ce pourquoi il était fait, il a mis soi-même. Et pour l'éternité, il est condamné à s'adorer, à se contempler lui-même. C'est une torture pour tout son être, puisque c'est une contradiction avec sa nature profonde, avec son désir profond, avec ce pourquoi il est fait. Chers amis, le Seigneur nous demande, par la voix de Philippe aujourd'hui, de rejoindre le désir profond de notre être. Et ce désir profond, il est de voir Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Que notre cœur soit purifié par le désir. C'est le désir qui purifie notre cœur. Que en toute chose, nous voyons Dieu. Quand nous voyons un beau paysage, eh bien, voyons derrière la création le Créateur. Lorsque nous voyons notre bien-aimé, eh bien, voyons derrière celle ou celui que nous sommes peut-être tentés d'adorer, eh bien, celui qui nous offre un visage de son amour pour aller vers lui. Voyons peut-être dans le plus défiguré, entendons la parole de Jésus qui dit « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est-à-dire que vous êtes invités à contempler ma gloire cachée dans le plus petit, dans le plus humilié. Et notre joie, c'est que sur terre, déjà, nous aurons contemplé Dieu, nous l'aurons contemplé en toute chose. Peut-être que vous avez un chemin particulier. Certains, c'est peut-être dans la rencontre du plus pauvre, c'était le cas de Mère Teresa. Mère Teresa n'allait pas servir les pauvres, ne croyez pas ça. Mère Teresa n'était pas une femme dévouée. Mère Teresa, quand on lui demandait pourquoi elle allait voir les pauvres, elle disait « parce que je veux voir le
visage de mon bien-aimé. Parce que derrière ce plus pauvre, c'est celui que je désire voir, celui que je contemplerai au ciel, le Père qui m'a envoyé son Fils, et le Fils qui se cache derrière le plus pauvre, c'est lui que je veux voir. Nous sommes des contemplatifs avant d'être des actifs. Et Mère Teresa disait, il s'agit d'être des contemplatifs. Dans l'action, je cherche le visage de mon bien-aimé. Je ne me dévoue pas. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. D'autres, ils vont le voir dans la nature. D'autres, ils vont le voir peut-être dans le visage de leurs proches. Mais toujours, nous devons chercher. Nous devons chercher derrière la surface celui qui nous attire et celui qui nous comblera pour l'éternité de cette relation vivante qui est la relation d'un père qui se donne à voir à ses enfants. Amen. Thank you.
Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement, et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chante sans fin l'hymne de ta gloire. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi.
proclamons le mystère de la foi. Souviens-toi d'Alain pour qui nous te prions. Sur nous tous enfin, sur Pierre et Solange, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Thank you.
noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui porte et enlève les péchés du monde, le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Sorti de son confinement, qui est en bonne santé, semble-t-il, mais on va quand même le
confier encore à la Vierge Marie et demander à celle qui a la joie de rencontrer son Fils ressuscité et bien de le remplir de sa vie. Regina Celi. Seigneur soit avec vous.